Sont parfaites pour Kharkov, donc qui terminera troisième du concours général masculin. Un autre Chinois, il s'appelle Li Ying, il est à la barre fixe. Lui, il terminera deuxième du concours général et vous allez voir, superbe prestation à la barre fixe. Voilà, c'est l'engin vraiment qui nous donne le plus de frissons et qui est le plus précis sur le plan technique. Voici tous les lâchers des barres. Vous voyez, un gaylor, c'est-à-dire un salto avant d'un tour de lune. C'est une très très grande difficulté. C'est un engin qui a terriblement évolué ces dernières années. On trouve, vous voyez, les grands lâchers, le 4 chefs suivi. On arrive à combiner les lâchers de barres. Et bien sûr, le gymnase, c'est toujours... Ces lâchers se situent à environ 3 mètres du sol. La grosse difficulté, bien sûr, c'est de rattraper la barre. Ça demande une très très grande précision et une sortie en full full. C'est une réception parfaite pour Li Ying, âgé de 20 ans, donc qui est champion du monde en titre aux barres parallèles, troisième du concours général des derniers championnats du monde et qui s'annonce comme un sérieux prétendant au prochain championnat du monde. Tous ces gymnastes préparent les prochains championnats d'Europe qui auront lieu prochainement donc à Lausanne. Et ils sont en pleine phase de préparation, justement à l'occasion de ces tournois, on rôde les nouvelles difficultés. C'est la dernière mise au point avant les championnats d'Europe.